Donc c'est Tonton Seb, hein, comme d'habitude. Hein. Et Diablo. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on est à la cool, hein, en train de prendre un petit café. Un là. Petit café, ouais. Et donc on va faire, ça va être une vidéo aujourd'hui, une création de borne d'arcade. Donc ça y est, on se lance. Gros projet. Un gros projet, voilà. Qui nous prend du temps, beaucoup d'énergie. Là, Tonton Seb m'a proposé un petit café parce que j'ai terminé à 6h hier du matin. Pour essayer de terminer le projet à temps. Donc voilà, donc, pourquoi une borne d'arcade qui est Diablo, hein, et pourquoi chers téléspectateurs? Exactement, puisque en fait, bon je l'ai indiqué à bien des gens, mais là je l'annonce officiellement, c'est qu'en fait je fusionne mon activité professionnelle, donc atelier Bois et Légendes, avec mon très cher complice Tonton Seb. Qui s'occupe de la partie électronique de la borne d'arcade. Et pourquoi mon activité Atelier Bois et Légendes concrétise en fait ce projet là, parce que bah, c'est du bois quelque part, donc je suis bénéficiaire. Ça t'est demandé, par un moment, si une borne d'arcade. Exactement, donc en fait je fais la partie bois et Sébastien fait le montage. Et donc là, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard? C'est parce que c'était pas prévu. On a été contacté par l'association Crazy Flip qui fait le salon de Chalon, ça on joue à Chalon. Tout à fait, c'était la belle surprise. On a adoré d'ailleurs. Inattendu. Et donc on a invité, on a un autre stand où il pourra présenter ses créations. Voilà. On va ramener des cartes d'arcade, des jeux indépendants. Exactement. Autres. Et on s'est dit que pour le salon, ça serait cool de faire notre propre borne d'arcade, voilà, avec Sous et Geek. Voilà. Pour se simplifier la tâche, parce que ça nous demandait beaucoup de boulot. Exactement, ouais. On est parti sur un kit bois du magasin Fabrique Borne. Voilà. Qui a été entièrement customisé par David. Voilà. Moi j'ai acheté tous mes composants chez Smolka, que vous connaissez certainement, si vous fabriquez des bar tops et autres. Et donc voilà, je me suis occupé de la partie technique, et lui effectivement de la partie bois. Donc vous allez pouvoir voir donc là, tout l'assemblage dans cette vidéo, ainsi que des extraits où on voit en train de souder, des petits conseils. Tout à fait. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à suivre la création de la borne. Qui sera à découvrir donc au salon de Chalon là. Quand vous allez voir la vidéo, malheureusement le salon sera peut-être passé. Exactement. Et elle sera en vente donc au salon. 14 voilà. Et 15 mars. Mars, voilà. Voilà. Donc là, on finit le café et après on débarrasse, on arrête. Au boulot. Et c'est bon. Sébastien, mais t'es où? Mais je suis là. Mais ah David, mais qu'est-ce que je fais de ça moi? Qu'est-ce que tu fous avec ça? J'ai pas besoin de ça. Allez, il faut vider le camion. Ah merde, bon bah on y va là, on y va. Allez. Téléspectateurs, et oui ma chère Marie, regardez le travail qu'il a fait dessus les amis, regardez, hein, c'est zombies, c'est la nuit des morts vivants, c'est Romero, voilà, c'est cimetière quoi, c'est glauque, c'est au Sous-Geek, au Sous-Geek TV, voilà. Alors là on va mettre la porte, là c'est un style un peu à la Walking Dead, Romero, Romero, soyons puristes, on est des vieux de la vieille, Walking Dead, moi je connais pas. Donc juste pour le dire, en fait, le style que j'ai voulu donner, c'est un peu le style dessin des vieilles jaquettes en fait de VHS, de films VHS, d'affiches de cinéma. Mm-hmm. Donc c'est vraiment peint.
Et puis, donc en bichrome, j'ai utilisé vraiment le système pochoir qui fonctionnait bien, puisque en fait, à l'époque, pour les affiches, voilà, on se faisait pas chier. Même les acteurs avaient 2-3 couleurs. Ouais. Voilà, puis pour l'impression, c'était bien plus simple. Donc voilà, là, vraiment, c'est dans un esprit. On va présenter vite fait un petit peu les autres pièces, là. Hein. Exactement. Alors voilà, hein, donc là, qui est. Là c'est signe des métalleux, non, David? Voilà, non, c'est, hein, ça, c'est mon petit signe à moi, voilà. J'ai voulu donner ma petite panne. Donc là, cette pièce, ça va où, mon cher Gablon? Alors ça sera le bas, au niveau de nos pieds. Donc il faut s'imaginer, en fait, c'est un talus. Là, il y a de l'herbe. Ah, ben c'est pas le bas qui va là? Alors ça va être le haut. Enfin, D'accord, voilà. C'est en dessous. Voilà. D'accord. Il y a une petite base, en fait. Mais oui, mais qu'il est con, ton danseur aussi, voilà. Mais enfin, voilà. Donc là, c'est la partie où, au niveau des pieds. D'accord. Donc, il faut s'imaginer, en fait, que les mains sortent d'un talus, enfin, du cimetière, en fait. Donc toujours en pochoir. Voilà, en pochoir, avec différentes textures. Ok, super, super. Voilà. Il y en avait une autre aussi. Donc après, pour remonter du bas vers le haut, vous l'avez vu, en fait, c'est ceci. Voilà. Donc avec une église qui a cramé, avec le cimetière, et bien évidemment, en fait, ici, on a la horde zombie, hop, voilà, voilà, la horde zombie qui arrive. Et après, quand on remonte vers le panel, on est resté sur un panel sobre, classe. Voilà, parce qu'il y aura des boutons lumineux, donc ça, c'est suffisant. Exactement. Tout comme pour le panel, voilà. Où là, du coup, il y aura des boutons de couleur Neo Geo, qui suffit finalement à lui-même. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est du médium. Et ce que j'ai voulu donner, mais on ne le voit pas à la caméra, c'est que c'est un effet spalté, donc avec un spalter, c'est un pinceau bien particulier. Et ça donne un effet, en fait, veine de bois. Donc ça donne aussi de la texture, c'est pas laqué. Là, notre Red Dablo nous a fait. Alors ça, c'est la partie haute. Exactement. Où il y aura les haut-parleurs. Les enceintes, ouais. Là, c'est une version, ouais. c'est en rapport un peu aux fantômes, en fait, les marques comme genre style Mirror. Ouh, ça fait peur. Des références. Ah, ça fait peur. Ça. Et certains jeux dont j'en ai la spécialité, c'est vraiment les jeux japonais d'horreur, survival, assez sympa, Sylvan et compagnie. Donc voilà, c'est un esprit. Ça fait trop peur pour moi. Comme un fantôme. Et ensuite, les panneaux de bois, alors les côtés. Tu pourras voir du bas vers le haut, en fait. Donc là, en fait, on est sur la partie mon côté, donc El Diablo. Donc moi, c'est surtout le côté loup qui m'a inspiré avec une espèce de montagne. Avec voilà, ça c'est un peu une référence à Castlevania, si ça vous rappelle. Donc le petit ponton qu'on a par rapport au château là, c'est une influence comme ça. Mais moi ça me rappelle dans Akumajo Dracula X sur PC Engine. Ouais. Il y a un boss comme ça, on a un loup-garou. Et justement, il est mis en haut comme ça, on l'entend, et après, il vient nous péter la gueule. C'est vrai que ça peut être référence, non pas Mark the Wolf, ça peut être, voilà, mais le loup parle beaucoup, et j'ai vraiment voulu connoter justement dans les styles rétro, et puis avec un design très, très pas cartoonesque, mais dans l'esprit qu'on pouvait trouver dans les jeux. Avec la lune qui a un peu une forme un peu, puis qui est en relief. Alors c'est, là, c'est, je sais voilà, pas si on voit en vrai, mais en fait, elle est rousse. Hein, parce que par rapport au loup, voilà, donc c'est la lune rousse, et puis on ne voit pas spécialement là. C'est non, on va pas vraiment voir, non. C'est assez sombre, mais en fait, il y a deux yeux et le nez, c'est une tête de mort. Ouais, d'accord. Voilà, on le verra mieux sur la partie vampire. Donc, bien sûr, avec ma signature en bas et le Diablo. Donc, c'est un tableau. Super, David. Voilà. Hop. Voilà. Et nous avons la partie Tonton Seb. Donc, avant de lancer dans le projet, je lui ai demandé un petit peu ses inspirations, ce qu'il aimait bien, lui. Donc, il voulait des influences, en fait, vampires. Et là, je vais demander à David de mettre RIP RB pour Ralph Baer, l'inventeur de la console de jeu. Voilà, petit clin d'œil. Ah merde, moi j'ai noté ça, je savais pas. Non, je déconne. Bien sûr, bien sûr. C'est notre clin d'œil aussi à la vidéo qu'on a réalisée tout début de notre voilà, périple youtubeur, vidéaste, avec Tonton Seb en bas. Mm-hmm. Donc j'ai fait un chantonnage, mais on le voit pas spécialement. Mais là, on a carrément la pierre tombale. Mais oui, c'est vraiment en relief. Voilà, voilà. Et la pierre tombale, c'est une référence à Tim Burton.
Ah d'accord. Voilà, vous essaierez de rechercher sur quelle pierre tombale, quel film exactement. C'est pas très difficile à trouver. Hein. C'est un film d'animation, bref. Monsieur Jack, ouais. Si tu nous regardes. Et là, bien sûr, on a l'emblématique Nosferatu voilà. De Murnau. Je me suis dit, quel vampire faire. Je me suis dit Nosferatu, quand même, c'est un grand classique. Et voilà. Je savais que ça plairait à Tonton Seb. Vieux film muet, un grand classique voilà. Allemand. Voilà. Voilà. Et puis là, on a la lune, et on la voit un petit peu mieux. Donc, du coup, là, on le voit mieux sur la lune vraiment classique, mais avec une tête de mort. Donc, en fait, on a les deux yeux et le nez. On voit vraiment un aspect tête de mort avec donc, la partie mâchoire. Donc, là, le nez, les deux yeux. Ah oui! Oh oui! Ouais. Ah c'est voit. Ouais d'accord ouais ouais c'est voilà. Ouais, c'est subtil c'est faux c'est... ça demande plusieurs voilà plusieurs alors, visions. Il faut préciser aussi que ce sont des tableaux et comme tout tableau ça se voit mieux de loin, c'est-à-dire que dans la pièce si vous rentrez dans la pièce, même dans le salon, on le verra par expérience, les gens ils verront de loin. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième regard, on peut regarder de près les détails que j'ai. C'est vrai que de près on voit bien, mais de loin, ouais, de près on voit mieux, comme disait Bigard. C'est au pied de la borne qu'on voit mieux la borne, évidemment. Exactement. Et il ne faut pas vendre la peau de la borne avant de la voir tuer. C'est quand même con en fait. C'est pas faux. C'est pas. Voilà. Exactement. Donc là, bon, on va continuer le montage avec ma tête en gros plan. Là. Ça fait peur, hein. Hein, ça fait peur. Alors, qu'est-ce que tu fais, tonton Seb? Eh ben, on va mettre la porte. Elle est dans mon sens, celui-ci? Attends. Non, dans mon sens, celui-là. Ah. Ouais, ça va être comme ça. Il la rapproche un peu. Ouais. Donc, faut pas serrer trop fort. Plus que je retaille un peu. Pour. Ah, il faut que je bosse en plus. Ouais, faut que tu bosses un peu. D'accord. Je retaille un petit peu. Hop. Juste légèrement. Même, mais après on verra si on peut centrer, trop, logiquement on peut centrer. T'es un peu trop serré peut-être. Ouais. Je croyais pas à toi, mais je me rends compte que t'es un peu trop. Ouais. Tu sens plus ta force. Ouais. Tu fais de la muscu en ce moment, j'adore. Hein. Moi j'ai un peu maigri, moi. Je travaille trop, c'est pour ça. À mettre peut-être pour être sûr de bien... Non, c'est surtout ça à l'œil. Ah, ça, tout comme toi l'œil, tout. Ah ouais, moi c'est ça se voit. Si t'as le compas dans l'œil, tu vois tout de suite. Rire, moi. Et moi je vois, il est... Hop, pas tout à fait droit. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de toute beauté. Attends, on va poser tranquillement. Hop, de toute façon, il est verrouillé. 5, 6, 5, 7. Ouais. Sachant que là, j'ai laissé du jeu. 5, 6. Parce qu'on a les. 5, 7. Ouais, on est bien. On va voir. Bon. Cette petite partie-là, en fait, qui va repasser légèrement au-dessus. Donc, il fallait calculer pour laisser un petit peu de marge. Donc, logiquement, j'ai laissé 3 cm. Et en bas, c'est pareil. Cette partie-là va repasser par-dessus. Donc, pour les soucis de détail, bien sûr, tous les dessous, j'ai peint, quand même, pour que ça soit propre. Si jamais on... Comme les meubles, hein, si on... Il y a toujours des vicieux hein, qui regardent, faut pas regarder. Et ça, c'est mon côté ébéniste, hein, on est assez minutieux. Donc là, je vais vérifier pendant que tu réponds au téléphone. Alors, nous avons... Hello. 18. Et c'est parfait. Et des connards qui appellent, qui raccrochent, encore du démarchage téléphonique. Oh là là là. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est chiant, le démarchage téléphonique. Ouais. Je vois 1 mm. Tac. Voilà. Normalement, j'ai une cale pour vraiment vérifier. Bon, après, on n'est pas à 1 cm près, de toute façon. Hein ? C'est la louche, quoi. Non. Il faut que ça soit propre. Visez-moi 18. Hein. Et c'est pas comme si on la vendait cher. Elle sera vendue combien ? 4-5 000 ? Donc, c'est que dalle. Le client acceptera bien 1 cm d'écart. Non, c'est pas le prix qu'on la vend. Hop. Et là. On la maintient. Moi, je maintiens toujours avec la main pour verrouiller. Hop. De toute façon, on verra bien. Et on croise. Toujours.
n'a jamais croisé les flux. Ah non, c'est Ponevis, ça va. Voilà, voilà. Moi, ça me paraît bien. Oui. Là, il commence déjà à avoir des traces. Waouh, de toute beauté. Par contre, faire gaffe quand le mec il va ouvrir, à que ça ne défonce pas, tu vois, l'autre côté. Après, ça sera plus notre problème, hein. Mais complètement. Si le client n'est pas, pas soigneux, après tout... Tac. Enfin, en même temps, c'est verni, mais bon. C'est la clé, toi. Donc tout de suite, je suis assez content parce que je voulais partir sur un noir mat. Donc je peux plutôt partir sur un... sur un ombrage mat, ouais, et, bien. Et un brillant sur le chantonnage. Voilà, comme c'est un peu, c'est pas tout à fait lisse, c'est bien ça. Voilà, oui, et puis que le granuleux, ça va bien avec. Voilà. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran, là, mais... En tout cas, nous, on est content. Voilà. Puis quand, si nous, on est content, après tout, c'est tout ça, merci. Non, donc, mais bon, déjà, première étape. Généralement, quand le fabricant, il est content, l'artisan est content de son travail, le client, derrière, sera forcément content aussi, quoi. Hein, on dit pas le client est roi. Non. Client est chiant. Heureusement que... Un client n'est jamais chiant. Un client exigeant est un client qui sait ce qu'il veut. Voilà. Et puis de toute façon, avec un peu de chance, la personne aura déjà acheté avant de voir la vidéo. On l'espère. On l'espère. De développer vraiment la fabrication à la française. Voilà. Et puis après, du coup, on aura vraiment notre propre gamme de bornes après chez l'atelier Bois et Légendes, en collaboration avec votre serviteur, tonton Seb. Voilà, des bornes vraiment dédiées, mais on y reviendra, chaque fois dans son temps. Trêve de blabla, là, tu parles beaucoup. Ouais, je parle beaucoup. On continue. Blabla. Parce que là, moi, j'ai une journée pour tout monter. Alors, on est rendu, qu'est-ce qu'on fait? Petite question, donc là, on était sur la partie là, donc maintenant, on va pouvoir commencer à découper la tablette, et puis plein d'autres petites choses. Mais tu ne mettrais pas après? On met pas plutôt les côtés, puis après la tablette, on... Non, les tasseaux, sur les côtés. On met les côtés, l'avant, la tablette on la mettra avant de mettre arrière. On met arrière, on met la tablette à l'intérieur. Tout à fait. Soit il y a les plexis aussi. Ouais. Je pense qu'il faut, faut commencer à assembler. J'ai repositionné. Déjà, ça, on met ça de côté. Le fond par exemple là. Hop. Alors l'idée c'est que je voulais. Attends, tu vas soulever aussi. En fait, c'est que mon carton il est un peu long, mais si je voulais que ça soit ressorti, okay. Que ça n'appuie pas dessus. Voilà. Okay. Il est un petit peu long finalement. Hop, on sera plus à l'aise. Voilà. On lui fout. Alors, coup dedans. Donc ça c'est bon. Donc là, faut qu'on sache exactement où arrive la porte. Alors, pour qu'on puisse mettre les tasseaux. Ouais, c'est simple, on va commencer du bas et puis vers le haut. Ouais, on va plus positionner comme ça la partie là. Exactement. Ça tombe toujours, hein. Ouais. Il y a des gens qui nous regardent là donc, hein. Après ça sera costaud, hein. C'est ce qu'on appelle de l'auto-performance. Quand même, mais ça t'a... Hé,
T'as un trou là, là, non, non, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu perces? Tu traverses le panneau, hein. Bah, traverses le panneau. Hein. Au niveau de la longueur, c'est simple, il faut vérifier. Tu fais ça, tu poses comme ça. Et là. Bah, regarde, tu traverses. Non, c'est pas ça, mais. Ouais. C'est pas ça, on traverse, on va tout massacrer là. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, il y a un truc qui va. T'étais sûr que t'as tout là? Oui, j'ai tout. Donc là, pour moi, ça sera peut-être simplement collé. Ça me paraît pas décollant, puisqu'en fait, c'est des perçages. Ah, c'est bizarre quand même. Enfin, bref. Ça, tu pourras couper. Ouais, ouais. Hein? Bon, bon. Pose là, que c'est.